Encore une histoire, maman, s'il te plaît. Une très courte, la moitié d'une histoire, rien qu'une phrase. Je t'en supplie. Maman sourit, mais elle posa le livre à côté du lit. Ça suffit maintenant. Tu sais très bien que c'est l'heure de dormir. Allez, mon ange, fais de beaux rêves. Et maman se pencha sur le lit, embrassa la petite fille sur le bout du nez, embrassa aussi le museau tout râpé de l'ours en peluche qui somnolait sur l'oreiller, et caressant une dernière fois avec tendresse les boucles blondes, elle sortit de la chambre en éteignant la lumière. La petite fille resta toute seule dans le noir, les yeux grands ouverts et les bras croisés. « Je n'ai pas du tout sommeil !» bougonna-t-elle en fronçant ses petits sourcils. Mais comme personne n'était là pour l'avoir boudée, elle se leva bien vite et traînant son vieil ours en peluche par l'oreille, elle se leva sur la pointe des pieds. Je vais lire une autre histoire, toute seule. Et la petite fille s'approcha du livre qui était resté sur le tapis. C'était un très grand livre, avec une belle couverture rouge ornée de splendides lettres d'or. La petite fille ne savait pas très bien lire, mais sa maman lui avait dit un jour que ce livre s'appelait « Les contes de ma mère Loi ». Avec précaution, elle posa le livre sur ses genoux et l'ouvrit au hasard. À peine eut-elle tourné quelques pages qu'il lui sembla entendre des chuchotements. « Viens, viens voir, viens voir. » C'était comme le bruissement du vent à travers les feuilles d'un arbre, à peine plus qu'un murmure. La petite fille tendit l'oreille, mais on aurait dit que le bruit venait du livre. Elle se mit à plat ventre sur le tapis et se pencha pour mieux entendre en collant son oreille sur la page. Et il se passa alors quelque chose d'incroyable. Elle tomba, la tête la première, à l'intérieur du livre. Elle ne se fit pas mal. Elle tomba au ralenti comme une plume portée par un souffle de vent et atterrit tout doucement sur le sol qui était aussi blanc que de la neige. Un peu étourdie, la petite fille se redressa et s'aperçut avec soulagement que son fidèle ours en peluche était encore avec elle. La petite fille épousseta sa chemise de nuit et regarda autour d'elle. Elle était dans une sorte de forêt où poussaient des arbres qui lui parurent fort étranges, des arbres noirs et très hauts sur lesquels il n'y avait ni feuilles ni oiseaux. D'arbres, dit la petite fille. Ce ne sont pas des arbres, ce sont des lettres, dit l'ours en peluche. Nous sommes tombés dans la page. Mais tu parles ?
dit la petite fille très étonnée. Évidemment, nous sommes dans un livre de contes, et dans les livres de contes, les animaux parlent toujours. Ah oui, c'est vrai, dit la petite fille sans s'étonner davantage. Mais alors, qu'allons-nous faire ? Nous allons prendre la hauteur. Essayons de grimper en haut d'une lettre pour voir où nous sommes. La petite fille se mit à quatre pattes. Elle passa sous le petit pont d'un N, remonta vers le haut du texte en passant vers la marge et prenant appui sur une virgule, elle monta en équilibre sur la barre du T. Elle s'accrocha à un accent aigu et parvint à escalader le I majuscule de « Il était une fois ». Elle s'assit à califourchon sur le point en serrant fermement son ours dans ses bras. De là-haut, elle surplombait toute la forêt de lettres. Au loin, elle vit dans l'image un grand château blanc dont les tourelles étincelaient au soleil. Et dans une vieille tour branlante, une jeune fille belle comme le jour qui montait un étroit escalier en colimaçon. « Je connais cette histoire, » dit la petite fille, toute rose d'excitation. « C'est celle de la Belle au bois dormant. Maman nous l'a déjà racontée. Il était une fois un roi et une reine qui avaient invité des fées pour le baptême de leur petite princesse pour lui donner toutes les qualités. Mais ils avaient oublié d'inviter la fée Carabosse et elle était tellement fâchée qu'elle jeta un mauvais sort à la petite princesse en lui disant qu'elle se piquerait le doigt à un fuseau et en mourrait. Oui, eh bien, je la connais. Je te signale que j'étais là, dit le petit ours un peu vexé qu'on l'ait oublié. Oh oui, pardon, dit la petite fille qui trouvait décidément que son ours en peluche était vraiment susceptible. En faisant très attention de ne pas glisser, la petite fille se mit debout sur son I majuscule, se dressa sur la pointe des pieds et se pencha le plus loin possible pour mieux regarder l'image. La Belle au bois dormant, car en effet, c'était bien elle, montait à pas lents l'escalier du donjon. Et tout en haut de la tour, une vieille dame filait sa quenouille dans l'obscurité. Mais enfin, il faut faire quelque chose, s'impatienta l'ourson. Si nous n'agissons pas, elle va se percer la main. Viens, dépêche-toi, suis-moi. Et prenant son élan, l'ours sauta du point du i sur lequel il était installé. Attends-moi, cria la petite fille en se dépêchant de le suivre. Et se précipitant à sa suite, elle atterrit à son tour dans le dessin. Dépêche-toi, la pressa l'ours. Nous n'avons pas une minute à perdre. La petite fille et son ours en peluche montèrent quatre à quatre les marches de l'escalier branlant et firent irruption dans la mansarde. Au moment même où la princesse fascinée tendait sa main vers le rouet. Ne t'approche pas, c'est la sorcière, cria la petite fille. La princesse fit un pas en arrière, très étonnée de voir cette petite fille en chemise de nuit qu'elle ne connaissait pas. Je t'expliquerai plus tard, dit la petite fille hors d'haleine, et prenant la princesse par la main, la petite fille l'entraîna dans l'escalier. La
parfait, Carabosse ! Poussa un cri de rage. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Qui es-tu, toi, pour changer le cours de l'histoire ? Et furieuse, elle se précipita à leur poursuite. Par ici ! Cria la petite fille. Et ils s'élancèrent vers un petit chemin de terre. Mais la sorcière leva sa baguette et un mur de ronces empoisonné poussa comme par enchantement. À droite, dit la princesse. Mais la fée Carabosse leva à nouveau sa baguette et un mur d'épines épais et impénétrable surgit des entrailles de la terre, les obligeant à rebrousser chemin. À ce moment-là, le valeureux petit ours fit volte-face et en poussant un cri qui se voulait terrifiant, il se précipita dans les jambes de la sorcière qui trébucha et s'étala de tout son long dans la poussière, si bien que son menton heurta les pierres du chemin et qu'elle en perdit son pantier. Arrêtez-vous, revenez ici, dit-elle en le cherchant à tâtons. Mais nos trois compères couraient déjà vers la forêt. Quand ils furent certains que la sorcière ne les rattraperait pas, ils s'arrêtèrent dans une clairière semée de pâquerettes pour se reposer. Tu m'as sauvé la vie, dit la princesse à la petite fille. Comment t'appelles-tu ? La petite fille, dit la petite fille, je lisais le livre et je suis tombée dedans. Pff, on croirait vraiment que je n'ai rien fait, dit l'ours qui envoya un coup de pied à un caillou. Mais la princesse s'approcha de lui et l'embrassa entre les deux oreilles. Tu es mon héros, dit-elle gravement. Et l'ours fut si ému qu'il en devint rouge comme un coquelicot et en oublia provisoirement de rouspéter. Mais quelques heures plus tard, il était à nouveau grincheux. Pouf, quand est-ce qu'on arrive ? J'en ai plein les pattes. Pouf, j'en ai marre de marcher. Nous nous sommes perdus, voilà. Il faut se rendre à l'évidence. Et en effet, nos trois amis avaient marché au hasard et n'avaient aucune idée de l'endroit où ils se trouvaient. Autour d'eux, la forêt était de plus en plus épaisse et la nuit commençait à tomber. Thank you.
pour comble de malchance, un orage éclata soudain. Étaient trempés jusqu'aux os. Les longs cheveux blonds de la princesse pendouillaient lamentablement sur ses épaules. Les pantoufles de la petite fille faisaient floc, 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 floc. Et l'ours pestait car ses pattes étaient pleines de boue. Il grelottait de froid et de fatigue quand soudain, ils aperçurent au loin une lueur qui dansait à travers les branches. Et en avançant vers l'endroit où elle brillait, ils virent, au bout d'une longue allée plantée d'arbres, un magnifique château dont les tours étaient illuminées. La petite fille, l'ours et la princesse s'avancèrent timidement. Mais lorsqu'ils voulurent frapper, la lourde porte s'ouvrit d'elle-même pour les laisser passer. Y a quelqu'un ? Risqua l'ours. Nous sommes perdus. Et seul l'écho leur répondit. Entrons, suggéra l'ours. Nous n'allons tout de même pas rester dehors avec ce temps. Et nos trois amis s'avancèrent avec prudence à travers le hall, leurs pas résonnant sur le sol de marbre. Ils gravirent lentement les marches d'un monumental escalier de pierre et parvinrent dans une somptueuse salle à manger toute tendue de velours et magnifiquement meublée. Un bon feu crépitait joyeusement dans la cheminée. Sur la grande table de bois, trois couverts étaient dressés qui semblaient les attendre. Des petits gâteaux tout chauds étaient posés sur les assiettes et une douce odeur de chocolat flottait dans l'air. La petite fille, qui était très gourmande, tendit la main vers une tartelette. Mais l'ours fronça sévèrement les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que ces manières ? Ça ne peut pas être pour nous, voyons !» À peine eut-il dit ces mots, que les chaises s'écartèrent d'elles-mêmes comme pour les inviter à s'asseoir, et qu'un pot de miel s'approcha tout seul de l'ours, qui en resta bouche bée. Il nous attendait, dit joyeusement la petite fille. « Bon !» D'accord, soupira l'ours, mais n'oubliez pas de mettre vos serviettes. Et ils se mirent à table dignement. Ils soupaient de bon appétit quand soudain, la princesse poussa un cri d'effroi et se leva toute pâle d'émotion.
Une bête, immense et terrifiante, se dressait dans l'embrasure de la porte. La petite fille en resta pétrifiée et se mordit les lèvres pour ne pas pleurer. La bête avait un corps d'ours et une crinière de lion. Des poils hideux tapissaient son visage et l'on voyait au fond de sa gueule luire des crocs féroces. Cette bête affreuse était vêtue à la manière d'un prince, la taille soigneusement prise dans une redingote de velours ornée de boutons de diamants. Et loin de les dévorer, elle les regardait avec douceur. « Il va nous croquer !» dit la petite fille au bord des larmes. Mais non, voyons, souviens-toi, maman nous a déjà raconté cette histoire. Cette bête est la plus douce des créatures. Il ne faut pas se fier aux apparences, il faut voir avec son cœur. Et sautant de sa chaise, l'ours s'approcha de la bête et s'inclina cérémonieusement. « Bonjour, monsieur la bête !» dit l'ours en tendant sa patte. La bête prit la petite patte de l'ours dans sa grosse patte griffue et la serra chaleureusement. « Bonjour, petit ours !» dit-il de sa grosse voix. « Nous nous sommes permis de manger quelques biscuits. » « Vous êtes ici, chez vous !» dit-il solennellement. « Venez, je vais vous montrer vos chambres !» Et la bête, saisissant un chandelier pour les éclairer, les conduisit à travers son palais. Ils longèrent de vastes couloirs couverts de tapis moelleux, et passèrent devant d'innombrables portes, plus incroyables les unes que les autres. Il y avait des portes de verre, des portes de bois, de saphir, d'argent, de diamants. La petite fille brûlait de toutes les ouvrir.
Mais la bête ne s'arrêta que devant la dernière porte, qui scintillait de mille feux, car elle était couverte de diamants. Et voici votre chambre, princesse, dit-il en ouvrant cette porte avec une petite clé d'or qu'il tira de sa poche. Nos trois amis en eurent le souffle coupé, car ils n'avaient jamais vu d'endroit aussi beau. La chambre était surmontée d'une immense coupole de verre, et l'on avait l'impression d'être au milieu du ciel. Des étoiles filantes passaient au-dessus du lit à baldaquin couvert de voiles d'un blanc vaporeux qui trônait au centre de la pièce. Le sol était couvert de mousse et d'herbes douces, et à chaque pas que faisait la princesse, des fleurs poussaient sous ses pieds. Et voici la tienne, dit la bête à la petite fille, et poussant une simple petite porte de bois, il lui désigna une jolie chambre d'enfant pleine de jouets. Je peux dormir avec mon doudou? Demanda la petite fille timidement. Évidemment, dit la bête, tout est prévu. Et il lui désigna, à côté de son grand lit, un petit lit juste à la taille de l'ourson, couvert d'édredons moelleux. Parfait, dit l'ours, et hop, il sauta sur le lit pour le tester. La petite fille, l'ours et la princesse se trouvaient très bien au château. La bête ne leur faisait plus peur malgré son horrible figure. Elle était un hôte charmant et attentionné. Il jouait à cache-cache avec la petite fille, lui apprenait à faire des bulles de savon, et tous les soirs, il la prenait sur ses genoux sur un bon fauteuil de la bibliothèque et lui racontait de merveilleuses histoires. Mais il était particulièrement attentif à la princesse. Il inventait toutes sortes de passe-temps pour la distraire. Il lui apportait des livres, lui faisait écouter de la musique, l'entraînait pour de longues promenades dans des jardins pleins de fleurs et de fontaines. Et tous les matins, il lui cueillait une brassée de roses qu'il lui offrait en rougissant. Et au fil des jours, la princesse était de plus en plus sensible au charme de la bête. La petite fille commençait à trouver de plus en plus agaçant que ces deux-là passent autant de temps ensemble. Vous voulez jouer à chat perché? Non, plus tard, dit la princesse. Joue un peu toute seule. Va, petite fille, on te rejoint, dit la bête. Maugréa la petite fille qui s'éloigna en traînant des pieds. Comme si on pouvait jouer à chat perché tout seul. Je crois qu'ils sont amoureux, dit l'ours sentencieusement. Pouf, c'est nul d'être amoureux. Bon, mais puisque personne ne s'occupe de nous, on va aller faire un tour dans la forêt. Et prenant son ours dans ses bras, la petite fille emprunta la grande allée du château
et se dirigea vers la lisière du bois. C'était une magnifique journée de printemps. Le soleil jouait à travers les branches et la lumière retombait en poussière d'or sur les feuillages où pépiaient les rossignols. Le nez en l'air, la petite fille flânait sur le sentier, s'amusant à courir après des papillons, à cueillir des noisettes et des fraises des bois et à faire des bouquets de boutons d'or. Elle regardait un nid dans une haie d'aubépine, quand soudain, elle crut entendre des voix. À peine eut-elle le temps de lever la tête, qu'elle vit sept petits garçons, pauvrement vêtus, qui s'avançaient à la queue leu-leu sur le chemin. En la voyant, ils s'arrêtèrent net. Au bout de quelques secondes, le plus petit d'entre eux s'avança timidement. Il ne devait pas avoir plus de 7 ou 8 ans. Il était haut comme 3 pommes et pas plus gras qu'un pouce. Et des taches de rousseur éclaboussaient sa jolie frimousse. Il enleva son bonnet pour saluer la petite fille, laissant apparaître une tignasse mal peignée. « Bonjour, mademoiselle, » dit-il en tournant son bonnet entre ses doigts d'un air embarrassé. Vous n'auriez pas vu le village par hasard. Mes frères et moi, nous sommes perdus dans la forêt. Ma parole, dit l'ours en donnant un coup de coude à la petite fille. Mais c'est le petit Pousset. Oui, c'est moi, dit le petit Pousset, un peu étonné qu'on le reconnaisse. Et voici mes 6 frères. Nous ne pouvons pas rentrer à la maison. Nous avons perdu notre chemin. Bah, et les petits cailloux? « Je n'en avais pas assez, » dit le petit Pousset en haussant les épaules d'un air embarrassé. « J'ai semé les miettes de mon pain, mais les oiseaux sont venus et ont tout mangé. » Nous ne savons pas où dormir. « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» demanda la petite fille à l'ours. « Certainement pas les laisser tout seuls, » dit l'ours qui se gratta la tête. Tu connais la fin de l'histoire. S'ils continuent, ils vont arriver tout droit chez l'ogre. On ne peut pas laisser faire ça. L'ours réfléchit une seconde. Venez avec nous, les enfants, dit-il sentencieusement. Et toute la petite troupe se mit en marche derrière l'ours qui avait pris la tête du cortège. Point du jour, ils arrivèrent devant les grilles du château. La princesse et la bête se précipitèrent devant d'eux. « Où étiez-vous ? Nous sommes fait du souci, » dit la princesse. « Nous étions dans la forêt, » dit la petite fille, « et nous avons rencontré le petit Pousset et ses frères. » Puis, s'approchant de la bête, elle lui murmura à l'oreille. « Ils ne savent pas où aller. Il faut absolument les aider. » Soyez les bienvenus, les enfants, dit-il de sa grosse voix. Vous pouvez rester autant qu'il vous plaira. Il y a bien assez de chambres dans ce château. Puis, faisant un clin d'œil à la petite fille, la bête emmena tous les enfants dans la cuisine où le plus délicieux des goûters avait été préparé. Tout est bien qui finit bien, dit l'ours en croquant un caramel avec satisfaction. Mais la petite fille baissa les yeux sur son assiette
et dit d'une toute petite voix, « Je crois que j'aimerais rentrer maintenant. Je voudrais revoir papa et maman, mais je ne sais pas comment sortir du livre. » Ils se mirent tous à réfléchir. Il faudrait une porte, dit la bête. J'ai une idée, dit le petit poucet. Tu n'as qu'à la dessiner. Et fouillant dans sa poche, il en sortit un petit caillou tout blanc et tout rond qu'il fourra dans la main de la petite fille. J'ai gardé ce caillou parce que c'était une craie. La petite fille prit le caillou et avec application, elle dessina sur le mur les contours d'une porte qui s'ouvrit comme par magie. Oh, je vois ma chambre, dit la petite fille ravie en jetant un œil par l'entrebâillement de la porte. Tu vas nous manquer, dit la princesse. Vous aussi, c'était une belle histoire, mais il faut que je rentre. Au revoir, les amis. Au revoir, petite fille, dirent en chœur la princesse, la bête et le petit poucet. Et fermant la porte derrière elle, la petite fille alla se coucher sur la pointe des